Bonjour. Dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit jeu mathématique qui va consister à faire une multiplication de façon originale. Donc, on va sortir des multiplications qu'on posait comme on le faisait à l'école pour là avoir une méthode un petit peu ludique. Donc, je vous propose un exemple simple. On va effectuer la multiplication de 21 par 32. Mais on va faire des traits et on va voir les intersections. Donc, 21, c'est 2 et 1. Donc, on va faire deux traits et un trait. Deux traits pour le 2, un trait pour le 1. Donc là, on a 21. Et maintenant, 32, c'est 3. Donc, 3 traits et 2 traits. Et on va raisonner maintenant en intersection par colonne. C'est-à-dire que ici, on va avoir les unités. Là, on va avoir les dizaines. Et là, on va avoir les centaines. Et on va compter les intersections. Donc ici, on en a 2. Ça veut dire que on aura 2 unités. Ici, on a 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Donc, on a 7 en dizaines. Et en centaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6. 21 multiplié par 32 égale 672. Maintenant, je vais vous montrer un exemple un petit peu plus compliqué. Plus compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'on va introduire des retenues et puis on va passer à des nombres à trois chiffres. Donc, on prend par exemple 312 fois 225. Là, on va avoir des retenues et on a une multiplication de nombres à trois chiffres. Donc, 312, le 3, on fait trois traits. Le 1, on fait un trait, et le 2, on fait deux traits. Maintenant, donc 3, 1, 2, 312, 225, 2, 2, donc 220, et là, 5 traits, on va les serrer. Voilà. Donc mes colonnes ne sont plus du tout droites, on va quand même reconnaître ici les unités, là, les dizaines, là, les centaines, là, les milliers, et là, les dizaines de milliers. Alors, allons-y. Comptons ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça veut dire qu'on va faire comme ce qu'on faisait à l'école. 10, donc on place le 0. Et on retient 1. 1 pour les dizaines. Donc les dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 en dizaines. 9 plus 1, ça fait 10. Donc 9 plus la retenue, ça fait 10. Donc on place le 0 et on retient 1. Maintenant, les centaines. Ici, on a 3 par 5, ça va nous faire 15. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. 21. Donc, on a 21 ici. Ça, ça va nous faire 22 avec la retenue. Donc, on place le 2 et on met 2 en retenue. Maintenant, les milliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus la retenue de 2, ça nous fait 10. Donc, 10, on place 0 et on retient 1. Les dizaines de milliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus la retenue de 1, ça fait 7. Ce qui nous permet de dire que 312 fois 225 égale 70 200. Donc voilà qui termine ma petite démonstration pour effectuer des multiplications originales. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres jeux ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.